Nous sommes à Belleville-sur-Loire. Bonjour Patrick. Bonjour, je suis Patrick Relais, donc fabricant de bateaux, comme on peut le voir. Là, je suis en train de faire une levée de nez de bateau traditionnel au feu et à l'eau. Voilà, j'ai toujours vécu au bord de la Loire à Belleville-sur-Loire ou à côté. Donc, enfant, j'ai toujours été à la Loire. C'était soit avec des gens qui utilisaient la Loire, c'était le maçon qui allait chercher du sable avec sa goélette, c'était pour aller déplacer les ruches, c'était avec les pêcheurs qui venaient élever leurs engins, ou les fabricants de bateaux. Et ensuite, j'ai moi-même été pêcheur sur la Loire, et ne trouvant pas de bateaux à acheter, j'ai fait comme les anciens, j'ai construit mes premiers bateaux, en 1974, je crois. Et puis depuis, je construis des bateaux avec cette méthode traditionnelle. On est dans ce qu'on appelle la Loire des tressages, c'est-à-dire que le sable qui se dépose forme de petites îles qui se créent, qui disparaissent au fur et à mesure des crues. Donc, la Loire à vélo qui se longe au plus près cette portion est le meilleur endroit pour découvrir cette Loire sauvage, pour apprécier sa faune et sa flore très caractéristiques que l'on ne peut approcher qu'ici. Une fois passé Gien, la Loire se canalise et devient tout autre. C'est un petit peu le fleuve plus tranquille.